Oui, Dora. La même devise n'a jamais cessé de dominer ma vie. De la dignité. Avant tout, de la dignité. Elle m'a été inculquée par ma mère et par mon père dès la plus tendre enfance. J'ai été élevé dans les meilleures écoles et inscrit à un cours de danse. C'est là que pour la première fois, j'ai vu Edmond. J'avais l'habitude de faire un numéro avec lui quand mes parents donnaient une grande réception. Les invités m'applaudissaient à tout rond. Et quand j'avais été particulièrement sage, j'étais autorisé à accompagner maman et papa au théâtre. Ils m'ont nourri de Shakespeare, de Molière et de tous les grands classiques. Là-dessus venaient se greffer de fortes études musicales. Au conservatoire, j'étais un brillant sujet. C'était le bon temps. Enfin, nous avons parfait notre apprentissage dans le cours dramatique le plus réputé. Et pendant ce temps, Dora, la devise demeurait de la dignité, avant tout de la dignité. Au bout de quelques années, Edmond et moi nous fûmes prêts à entreprendre une tournée de récital de danse. Nous avons joué dans les salles les plus élégantes du pays. There's a fiddle ready for love. I can jump over the moon up above. There's a fiddle and ready for love. Haven't a worry, haven't a care. Feel like a feather just floating on air. There's a fiddle and ready for love. Soon the church bells will be ringing and I'll march with my pa. Now the church bells will be ringing with a hey, nonny, nonny and a ha-cha-cha. I did a fiddle, my baby's okay. Ask me a riddle, and what did she say? There's a fiddle and ready for love. Public nous acclamait. Enfin, nous nous sommes résolus à venir au soleil de Californie. C'est là que nous étions venus échouer, nous reposer, quand les offres des studios de cinéma commencèrent à pleuvoir. Nous avons opéré un tri et nous nous sommes décidés en faveur des films monumentaux. Ok, Lina, tu le hais, tu lui résistes. Soutenez la musique d'ambiance. Ok, maintenant Pierre Blanc, continue à tourner. Maintenant tu l'aperçois, Pierre. C'est ça, maintenant Albert. C'est la scène où tu reçois un crochet au menton. Coupé! Ah non, non, ce n'est pas ça, Albert! Il aurait fallu que tu culpules par-dessus le bar et que tu t'écrases au milieu des verres! Essaye encore, compris, Albert? Albert! Oh, c'est du bon, oui, c'est du bon! Enlevez-moi ça, messieurs! Ça ne sera rien, Albert. Nous avons perdu des masses de doublures dans cette production. Il va falloir attendre des heures avant de réussir à en dégoter une. Hé, monsieur Dexter, je crois que je saurais faire ça. Qui, toi? Mais tu es musicien. Ah, ça reste à prouver. Je suis sérieux. Comment t'appelles-tu? Don Lockwood, monsieur. Cependant, pour les intimes, c'est Donald. On fait le Jacques, hein? Ok, tu feras l'essai. Collez-lui le costume de l'autre. Et n'oublie pas, Lockwood, on ne joue pas du violon au paradis, mais de la harpe. On tourne! Ok, Pierre. Tu rentres, tu la vois, c'est ça. Attention, Lockwood, c'est maintenant que tu reçois un coche au menton. Coupé! C'était magnifique! Y a-t-il d'autres petites choses à faire dans cette production? Des tas! Ok. Des rôles mondains, suaves, sophistiqués. Et bien entendu, au cours de toutes ces productions, Lina fut et est demeurée l'inspiratrice rêvée. Charmante, serviable, c'est une très grande dame.
Bonjour, mademoiselle. Je me présente, Lockwood, la doublure. Je suis très fier d'avoir travaillé avec vous, mademoiselle. Hé, hey, Don! Don, je veux te présenter au producteur du film, Monsieur Armand Simpson. Enchanté. Content de vous connaître. Je viens d'aller voir les scènes du film en cours. J'ai tenu à savoir quelle était l'équipe qui avait doublé les vedettes. Dexter me dit que c'est vous seul. Je crois que vous êtes doué. Dans le prochain film, c'est vous que je donnerai à Lina comme partenaire. Venez me voir dans mon bureau après le déjeuner. Nous discuterons le contrat. Merci, Monsieur Simpson. Est-ce que vous faites quelque chose ce soir, mademoiselle? Comme c'est drôle. Je suis pris déjà. À dater de ce jour, Lina et moi, nous nous sommes prodigués les mêmes charmantes marques d'amitié. Pour moi, ce qui importe, au fond, c'est que j'ai continué à vivre selon ma devise. De la dignité. Avant tout, de la dignité.